Bien, bonjour à tous. Bien le bonsoir, comme d'habitude. Vous vous connectez, vous partagez comme d'habitude, hein, et puis voilà quoi, c'est tac tac tac. On va gagner du temps. Moi, j'ai vu une publication là sur les réseaux sociaux qui fait un certain bruit. Il s'agit d'une Mamilike qui se serait amourachée d'une pygmée. Et ben, du coup, ça fait grand bruit. Donc, et notamment, j'ai l'impression que ça énerve beaucoup les bétis, les équins, enfin tout ça, quoi. Donc, c'est assez surprenant. C'est assez surprenant. Donc, je voulais un petit peu en parler avec vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vais quand même en parler, hein, parce que je vois qu'il y a quand même une certaine récupération de la misère des gens, dont les Camerounais sont de plus en plus vecteurs, le sport national, quoi. C'est-à-dire que voilà, le sport national maintenant, au jour d'aujourd'hui, le sport national des Camerounais aujourd'hui, voilà, c'est de récupérer la misère des uns. Bon, j'ai quand même vu, j'ai vu ça, je l'ai vu, ça fait 3 jours. J'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là et tout? Donc, j'en ai pas beaucoup, comment dire, je vais pas faire attention, quoi. Donc, les gens trouvent bizarre qu'un mec pareil soit amoureux d'une pygmée. Mais pourquoi nous avons, c'est vraiment le fort des sociétés fermées, quoi. Les sociétés fermées, c'est les sociétés où on se sent dans l'obligation de dire, de donner son avis sur tout, de parler de tout, d'ouvrir sa gueule sur tout, sur plein de choses qui ne nous regardent pas. C'est vraiment le fort des sociétés fermées. Moi, j'estime que les pygmées, ils ont besoin d'être défendus dans beaucoup d'autres circonstances. J'ai entendu les gens disaient que ce Bamiléké là à l'ouest pour voler les terrains. Déjà, il faudrait que l'est soit attirant. Je crois que jusqu'à preuve du contraire, même les gens de l'Est, ils ont tous envie de se barrer de l'Est. Il n'y a pas grand-chose d'attirant là-bas à part les ressources. Et ce n'est pas un Bamiléké avec ses doigts, sa bite et son couteau qui va aller les exploiter. Donc la paranoïa sur cette affaire ne relève clairement que du fantasme et de la stupidité de quelques-uns. Même si le mec, il a des intentions derrière la tête, hein, ce ne serait pas la première relation calculée qui existe au Cameroun. Je ne comprends pas. Je veux dire. Depuis la nuit des temps, les gens se mettent ensemble pour des intérêts. Et ça, la personne concernée de prendre les dispositions qu'il faut pour se protéger. Il y a des filles qui vont se mettre avec un mec parce qu'il a les dos. Point barre. Il y a d'autres qui vont se mettre avec un mec parce que le mec, il a le sgeg de Barthaza, ce qui entre nous n'est pas le nôtre, hein, bien sûr, surtout quand on est kikinette comme nous autres. Donc il y en a plein qui vont se mettre ensemble pour ce type de raison. Les pygmées, ils ont besoin des gens. Quand leurs droits sont altérés. Je rappelle que la loi camerounaise considère que tuer un pygmée, ce n'est pas pareil que tuer un homme. Hein. Moi, j'ai vu plusieurs documentaires avec des ONG qui défendaient les intérêts des pygmées. La loi camerounaise ne réprime pas quelqu'un qui zigouille un pygmée. Les pygmées au Cameroun, selon la loi, sont considérés comme des animaux. C'est là qu'ils auraient besoin de vous. Les pygmées ne sont pas éduqués. Alors, construire des écoles chez eux, c'est là où ils auraient besoin de vous. C'est pas dans ce genre de débilité où vous dites que le Bamiléké, il avait qu'une pygmée pour les terrains. Vous croyez que les pygmées, ils ont tant de terres que ça? Vous croyez qu'ils ont tant de richesses que ça? Vous croyez que quand la Chine va exploiter le sous-sol de l'Est, on demande l'avis des pygmées? Vous croyez qu'ils ont des droits? C'est là où, si vous êtes vraiment soucieux de l'intégrité des pygmées, c'est là où on vous attend. Nous, on a fait des directs là-dessus pour dénoncer ce genre de choses. Mais vous, on vous a pas vu. On n'a pas vu tous ceux qui font la récupération actuellement minable sur cette affaire. Moi, je trouve ça honteux. Le mec, il est avec une pygmée, ma foi, oui, peut-être qu'il est trop beau pour sortir avec cette pygmée, peut-être qu'il a un calcul derrière la tête. Mais enfin, c'est le fort de toutes les relations. Vous avez parfois des femmes avec des vieux types, vous savez très bien qu'elle n'y est pas parce que le mec, il a encore le coup de rein qu'il faut. Non, il n'y est pas pour ça. Il n'y est certainement pas parce que le mec, il est beau. Donc c'est évident, c'est pas la première fois qu'il y a des relations avec intérêt. Mais pourquoi vous en faites tout un tapage? Une relation peut être. Vous croyez que les hommes là qui sortent avec des femmes plus jeunes qu'elles? Alors qu'ils sont complètement vieux et dégarnis, vous croyez qu'elles ne savent pas que la meuf est là pour l'argent? Mais elles sont heureux. Ils sont heureux, les mecs. C'est quand même mieux pour un type qui a 70 balais, toute la richesse que tu as sur terre, tu vas pas aller avec ça sur terre, tu n'iras pas avec ça dans l'au-delà. Alors, ce que tu peux faire de mieux, c'est que ça te donne au moins du bonheur pendant que tu as envie.
Alors, quand tu as 70 balais et que tu es complètement dégarni et que tu es attiré par des filles de la trentaine, c'est sûr que c'est beaucoup plus, c'est mieux quand tu as les sous. C'est mieux si tu as de l'argent. Parce que oui, tu trouveras une fille de 30 ans qui va accepter de vivre avec toi parce que bah, tu as le pognon, tu as le compte en banque qui va bien. Mais c'est certainement pas parce que tu es encore le coup du rhum, mon pote. C'est certainement pas parce que tu es encore beau. Non, c'est parce que tu as le pognon. Tu le sais. La meuf, elle sait pourquoi elle est avec toi. Ça te rend heureux d'être avec elle. Alors, il est où le problème? Il y a de la famille qui va dire, oh, mais tu sais très bien, rends-toi compte, la meuf, elle est avec toi pour ton argent. Ben oui, le mec, il veut ça. Il veut ça. C'est ce que son argent lui permet d'avoir. Il aurait 70 balais au SMIC, il n'aurait pas la bombe qu'il a. C'est clair, c'est tout. Vous découvrez quoi, qu'il y a des relations calculées, que les gens se mettent ensemble. Quand vous arrivez en Europe et que vous vous mettez avec des gens pour les papiers, vous avez des blancs qui font ça? Imaginez-vous, vous arrivez en France, vous êtes sans papier. Vous vous mettez avec un blanc pour les papiers, vous avez tout le quartier qui alerte la police. Vous serez le premier à dire que les blancs sont racistes. Mais vous faites ça chez vous. Je me demande parfois ce qu'il y a dans la tête de l'Africain. Je me demande parfois si dans votre tête tout va bien. C'est exactement. Imagine là, le Billy Akele là, qui a été rapatrié de France et qui n'a pas les papiers ou je ne sais pas trop quoi. Imaginez l'arrivée en France parce que pour avoir les papiers, il fallait qu'il se tape une white de 62 ans. C'est la seule qui va lui donner les papiers. Il n'a pas le choix. Quand t'as pas les papiers dans ce pays, t'es rien. T'es rien. Ne jugez pas le mec qui au bout du désespoir va se taper une meuf de 62 ans. Ne le jugez pas. Parce que en faisant ça, il obtient quelque chose qu'il n'a pas quand il n'a pas ça. Quand vous n'avez pas les papiers dans ce pays, vous n'êtes rien. Rien. C'est pas que vous êtes réprimé quand vous marchez, hein. Non, 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 non. Vous marchez dans la rue, vous êtes bien habillé, vous êtes comme tout le monde. Mais vous n'êtes rien. Vous ne pouvez pas avoir un chez vous, vous ne pouvez pas ouvrir une facture à votre nom, vous n'êtes rien, que dalle, personne dans la société. C'est très compliqué. Donc moi, je ne juge pas un mec qui se met avec une meuf de 62 ans pour avoir les papiers, non. Moi, je ne juge pas ça. Donc, moi, je ne juge pas. Je respecte, je comprends. Je comprends par quoi il est passé. Mais imaginez dans une telle situation, vous avez tout le quartier. Vous avez tout le quartier qui. Ah oui, le gars, il avait pour les papiers, il avait pour les papiers. Tous les jours, on vient taguer devant la porte de la vieille ouate. Vous trouverez ça normal. Vous avez tous les gars du quartier qui font des posts sur Internet pour dire attention, mariage blanc vu, mariage blanc vu. Même si tu sais que c'est le cas. Même si la vieille ouate, elle sait très bien, quand elle prend un jeune comme Billy Akele, tu crois qu'elle sait que le mec est là parce qu'elle est encore. Non, non, ses seins sont complètement comme des sandales. Elle a rien que sa peau est froissée. Donc, elle sait que le gars n'est pas là pour son physique. Elle le sait. Mais ça lui rend heureux d'avoir un gars à côté d'elle. Ça le rend heureux, pardon. C'est tout. Je veux dire, pourquoi vous vous emmêlez? Pourquoi vous vous emmêlez, les gars? Au point de faire des mais j'ai vu au moins 15 posts sur la question. Tu vois, des gens disent, ah, regardez son TikTok, voilà ça. C'est ce que vous faites en Europe. Dans 99% des cas, c'est ce que vous faites en Europe. Vous êtes obligé d'aller vous taper des meufs bizarres pour avoir les papiers. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'entre vous prêtent ce genre de comportement aux autres. Dès qu'ils voient que tu es avec une blanche, ah bah il est avec tous les papiers. Du coup, vous prêtez ce genre de comportement à tout le monde parce que c'est le comportement normal chez vous. Vous êtes incapable de comprendre que bah non, il y a des personnes qui n'ont pas eu besoin de ça. C'est tellement compliqué pour vous d'envisager cela. Le nombre de fois où on m'a dit, oh, tu es marié avec ta wife pour avoir les papas. Moi, je ne suis même pas marié, mec. Je n'ai jamais été marié. Vous avez vu quelque chose la semaine, hein? Jamais. Je suis pas marié. Non, vous pensez que dès qu'un homme black se met avec une white, c'est la white qui apporte tout dans la maison. Non, vous ne pouvez pas comprendre. C'est tellement difficile à comprendre parce que c'est justement ce que vous faites tout le temps, tout le temps. Si par défaut, c'est ce que vous prêtez comme intention à un black qui est avec une white, c'est parce que vous savez que la plupart du temps, c'est ça. La plupart du temps, le white, il n'est rien du tout. Il vaut que dalle. Il va aller se mettre avec une black, le black, il est rien du tout. Il vaut que dalle. Il va aller se mettre avec une white pour bénéficier des avantages du statut de la white. C'est pour ça que par défaut, tu vas voir un connard qui m'attaque sur Internet, qui va me dire, mouf, tu as eu ta vieille blanche là pour les papiers. Bah, mec, quel papier? Je suis pas marié, mec. Je suis venu faire mes études en France, j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler, j'étais naturalisé. Donc, je vais dire, chez moi, je sors, je m'en vais quand je veux. Hein. Le plus gros revenu, celui qui apporte le plus gros revenu dans la maison, c'est moi. C'est moi qui apporte le plus gros pognon dans la maison. Ma femme vous a dit plusieurs fois, et c'est en direct, que sans moi, elle ne peut pas rembourser la maison dans laquelle on vit. Elle va rembourser ça comment? Son salaire ne peut pas payer, son salaire ne peut pas couvrir ça. Mais voir une situation inverse dans ce que vous avez l'habitude de voir, ça vous pâche. Voir qu'un mec black est avec une white, mais celui qui rapporte tout le pognon, ça vous dépasse.
Parce que ça prouve que le mec, il a réussi à s'imposer dans une société qui, pour vous, est inaccessible. Vous êtes encore des riens dans cette société. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez cette frustration-là qu'on retrouve chez les panafricains, hein. La plupart des panafricains, c'est des frustrés d'un bang. C'est des frustrés d'un bang, de se frustrer. Je veux dire, les panafricains, c'est des gros frustrés d'un bang. C'est pour ça qu'on retrouve chez vous une certaine frustration. Parce que, par définition, vous êtes un raté et vous dites, bah, vous avez expliqué à toute la famille que vous êtes raté parce que vous êtes noir, en fait. Eh bien, vous voyez un noir comme un raté, finalement. Le mec, il s'impose chez les whites, il n'a aucun problème. Il n'a aucun problème. Il n'est pas comme vous. Et ça vous fait chier, en fait. Il est marié, il avait la white pour les papiers. Mouf, la maison, là, c'est la maison que les parents de la white ont donnée. Les raisonnements à l'envoûtout. Ça, c'est un raisonnement de raté, en fait. Et mon petit frère Platini, qui a alors le même patrimoine que moi, et qui, pour le coup, il est marié avec une Bafan. Enfin, il n'est même pas encore marié. Lui aussi, il vit avec une Bafan avec lequel il a 3 enfants. Il a le même patrimoine que moi. Bon, vous allez dire quoi pour lui? Vous allez dire quoi? Que c'est la famille au pays qui a envoyé les deux? Votre truc, c'est fracasse la gueule. Ah non, vous êtes obligé de vous inventer un système ou non, tout ce que Platini a, en fait. J'ai même vu des... Platini disait ici dans un live une fois qu'il y a un salopard qui avait lui écrit qui doutait que moi j'étais ingénieur, mais qu'il croyait que lui il était ingénieur. Il dit, mais attends, je comprends pas là. Quand je vois les connaissances que mon grand frère a, tu dis que tu doutes pour lui et tu crois pour moi comment? Donc, c'est pas parce que c'est ça le macabre, c'est que ça vous énerve. Ça vous énerve d'accepter la réalité. Que vous êtes des riens, vous êtes des ratés. Vous n'avez rien foutu en France. Et moi, je vous dis encore une fois, le comportement que vous avez entre vous, Camerounais, s'il y avait un blanc en France qui faisait ça contre vous, serait les premiers à chialer. C'est ça que je comprends pas en fait. Je ne comprends pas ce tribalisme que vous avez en tête. Vous êtes en France, parce que la plupart de ceux qui ont fait ces postes-là, je les ai vus, ils étaient en France. Vous êtes en France, mais vous tenez tellement aux terres du pays. Mais si vous tenez aux terres du pays, allez au pays, protégez vos terres, les gars. Allez au pays. Je vous dis, si vous aimez les Pygmées, ils n'ont pas besoin de vous pour contrer les mariages blancs. Ils n'ont pas besoin de vous pour ça. Ils ont juste besoin de vous pour que vous défendez leurs droits. Parce qu'ils n'ont pas de droits au Cameroun. Allez regarder tous les articles, toutes les vidéos que vous pouvez voir sur Internet. Allez regarder tout ça. Ils n'ont aucun droit. Il y a beaucoup d'ONG qui se battent au Cameroun pour qu'ils aient des droits. Et d'ONG très souvent étrangères qui se battent pour qu'ils aient des droits. Pour qu'on les zigouille plus comme des chèvres. Parce que les zigouiller, je vous dis, ce n'est pas puni. Je vous dis, hein, tu pars en forêt là, tu veux t'amuser avec ton flingue, t'essayes sur un pygmée, c'est bon, hein, tranquille, hein, tranquille. Tu risques rien. Même les pygmées même le disent. Ils ont plein de procès en cours là où c'est des meurtres sur leur front, on n'a rien fait. Allez taper sur Internet, vous regardez les émissions. C'est là-bas qu'ils ont besoin de vous, les pygmées. C'est pas dans des conneries de ce genre. La récupération lamentable et minable. C'est juste la récupération pathétique en hurlant du tribaliste. C'est minable. C'est minable. Oui, sous prétexte qu'elle est pygmée, l'autre, il ne peut pas s'en intéresser. Je veux bien que tu trouves ça bizarre. Mais pour aller jusqu'à accuser, ben, il faut des preuves, mon pote. Moi, je marche dans la rue, je vois un jeune avec une white qui a 55 ans. Bon, vous allez dire quoi de Macron? Si pour vous, jeune avec une vieille, c'est pour de l'argent, là, pour le coup, chez Macron, ça se fracasse la gueule. La meuf, elle était enseignante. Le type, il a bossé pour des banques comme Rothschild. Il a gagné 3 millions par an à un moment donné de sa carrière. Il gagne moins. Je pense que tout ce qu'il va gagner en tant que président ne va pas équivaloir à ce qu'il a gagné quand il était banquier d'affaires. Ça veut donc dire qu'au moment où il devient président, il est déjà riche. Il est toujours avec Brigitte. Donc, Brigitte qui est enseignante. Donc, votre raisonnement, il va tenir sur quoi? Ce n'est pas une preuve. Oui, c'est un fort soupçon avec l'idée qu'il y a un mari et un intérêt quelque part. Mais ce n'est pas une preuve. Pour accuser quelqu'un de mariage, ben, il faut des preuves. Oui, voit un type qui a l'âge de Macron, né en 77, avec une meuf qui a 25 ans de plus que lui. Bien sûr que c'est un fort soupçon en faveur d'un mariage d'intérêt. Mais il faut regarder la réalité. Mais si tu regardes dans les faits, Macron a plus d'argent que Brigitte, bah, tu peux plus dire que c'est de l'argent qu'il a uni. Tu vois que Macron est français, Brigitte est français, bah, tu peux plus dire que c'est pour les papiers. Bah, du coup, t'es quand même baisé, quoi. Tu vas faire quoi? Tu regardes le patrimoine de Macron, tu regardes le patrimoine de Brigitte et de toute sa famille. Donc, tu peux pas dire que Macron vise l'héritage de Brigitte. Donc, tu peux plus dire ça. Donc, tu fais quoi? Tu fais quoi? Vous voyez que c'est un fort soupçon, mais ce n'est pas une preuve. Et c'est ça le problème chez vous. Le problème avec vous, c'est que très souvent, vous bypassez l'étape de la preuve. Pour vous, le soupçon est une preuve. Vous soupçonnez un truc, vous prouvez. Vous considérez que c'est une preuve. Mais vous êtes tous des envoûtous finalement, quoi. C'est incroyable. Donc, on dirait que le monde est tout comme ça vous arrange. Un soupçon, ce n'est pas une preuve.
Ok, oui, je suis d'accord avec vous. Que moi-même, quand je vois le Bams là, quand je vois la pygmée, je dis, gars, quand même, avec tous les Ngarbams qu'il y a au pays, là, même au village, même la dernière qui ne se lave pas là, il pouvait trouver plus sexy que ça. Oui, c'est un fort soupçon. Mais moi, pour que je vienne sur la place publique l'accuser d'être en train de vouloir voler quelque chose, mais il faut un certain nombre de choses. Déjà, un, il faut que j'établisse que la meuf avec qui il est marié dispose d'abord des biens. Là, quand je vois la pygmée, là, j'ai pas l'impression qu'elle a 10 000 terres. Hein. J'ai pas spécialement l'impression. J'ai pas l'impression qu'elle a de. Parce que si elle avait un sous-sol avec des mines en dessous, si elle avait un sous-sol avec des mines en dessous, ça se verrait. Et de c'est ça. Donc, ce serait pas mieux. Si elle avait un sous-sol avec des mines, c'est l'État qui vient de l'arracher. Donc, il y a une différence entre je soupçonne et une différence à j'ai la preuve. Quand on veut accuser, il faut être en mesure de prouver. Comment tu vas, Andoa? Ce live, il aussi, qui est un peu des gens comme toi, parce que j'ai vu que tu es dans la même catégorie des gens dont je suis en train de parler ce soir. Et du coup, je vais te poser des questions très simples. Comment tu vas, ma chérie? Allô? Allô? Je t'entends pas, Là, Joséphine. c'est bon? Là, c'est bon, je t'entends, c'est bon. Ok. Non, j'ai souvent un souci avec mes écouteurs. Ouais, tu disais quand bonsoir, chérie, ça Ça va très bien. va? Je t'ai vu Alors. dans une catégorie de personnes dont je suis en train de me charger ce soir. J'ai vu plusieurs Justement. postes. J'ai vu plusieurs postes. Mais j'ai vu que tu en faisais partie. J'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Toi, tu dis que le Bamileke qui se met en couple avec une pygmée, il est là pour un intérêt. Je veux bien. Bon, moi, je vais placer les bases, hein. Un homme de sa trempe qui se met en couple avec ce type de femme, oui, c'est un fort soupçon en faveur de il y a quelque chose qui est louche. Mais pour venir affirmer sur Internet, il faut des preuves. Donc toi, tu as affirmé, comme beaucoup d'autres personnes que j'ai vues, donc il se trouve que tu es là, donc tu vas faire le rôle de leur porte-parole. Tu as affirmé qu'il était là pour voler les terrains à l'Est. On est d'accord? Cette femme, tu as des preuves pour ça? C'est pas question de preuve. On est aujourd'hui dans ce qu'on dit. Tu sais, avant 2018, hein, on n'avait pas de préjugés vis-à-vis de certaines personnes, mais aujourd'hui, on en a. Alors, Qu'on qu'est-ce qui a dit. changé entre 2000 Non, et en quoi le fait qu'il y ait eu un affrontement qui est majoritairement. le souci, c'est que c'est. Laisse-moi parler. Ce gars, il part à l'Est pour Oui. faire. Après, j'espère que tu as relu les publications qui sont en train de sortir après maintenant, hein, parce Oui. que c'est après ma sortie en disant qu'il est c'est un imposteur, que maintenant on vient nous faire croire que non, effectivement, il n'est pas amoureux de cette fille, c'est juste qu'on l'a envoûté. Donc, quelque part, j'avais raison. Alors, Puisqu'au début, le gars a fait un buzz. Il était parti à l'Est pour voilà, dévoiler les secrets des pygmées, entre parenthèses, hein, parce que c'est un gars que je suis depuis sur Facebook. Je le suivais sur Facebook, mais j'ai trouvé ça un peu déplacé parce que je me suis dit, attends, tiens, il est quand même ressorti d'une région quelconque. Au lieu d'aller fouiller dans les casseroles des autres, qu'il nous fasse valoriser sa région, qu'il nous dise comment ça se passe chez lui, c'est quoi, par exemple, nous, on aimerait savoir ce qui se passe dans le lac, hein. Qu'il nous fasse Alors, découvrir, c'est quoi le lac, hein. on va y aller pas à pas. Non, non, attends, Josiane. Il faut pas faire mille feuilles argumentatives qui va m'empêcher de. Chaque chose que tu vas dire, si ça n'existe que pour toi, il va falloir que tu les démontres. Donc, on va commencer par là. Tu es en train de m'expliquer que un Bamileke n'a pas le droit d'aller faire un reportage sur la région de l'Est? C'est ce que tu es en train de m'expliquer? Mais parce que tu me parles Je de n'ai pas dit ça. Mais tu me parles de avant de tu me parles commencer. de valoriser le lac. Il y a eu plusieurs documentaires déjà sur le lac. Plusieurs. Si tu veux Non. regarder des Non. trucs, comment ça se passe sur le lac, tu tapes sur YouTube, tu vas trouver plusieurs choses de ce type-là. Si c'est vraiment ce Bah, qui t'intéresse, toi. hein? Si c'est vraiment ce qui t'intéresse, si tu veux savoir comment ça se passe sur la cam, tu tapes sur Google, Si tu tapes sur tu veux YouTube. aussi savoir comment ça se passe chez les pygmées, tu tapes aussi sur YouTube, Oui, Serge. très bien. Moi, je Donc, sais encore une comment fois, te dire ce qui. attends, Serge. Josiane, tu as parlé, je t'ai écouté quelques minutes. Oui. Encore une fois, Écoute. donc on est d'accord que si on veut savoir ce qui se passe à l'Est, ouais, mais il peut vouloir faire un reportage et y apporter sa plume. Pourquoi tu lui prêtes des intentions malveillantes? Pourquoi par défaut tu considères que c'est qu'il va faire mal, Josiane? Parce que c'est ça, tu le fais en procès d'intention là. Pourquoi tu penses que le reportage qu'il va faire sera en la défaveur de la culture pygmée? Est-ce que ça serait peut-être pas pour défendre les droits des pygmées, puisque les pygmées, par exemple, ils n'ont pas de droit au Cameroun? Tu sais qu'au Cameroun, tu tues un pygmée, tu n'as pas la même peine de prison que si tu tues un être humain normal. Tu sais ça ou pas, Josiane? C'est non. Bah, Comment voilà, tu si tu.
Comment ça, si tu cherches un pygmée, tu ne vas pas faire Ah la même bah voilà justement, moi démonstration. tu sais quoi, ça fait longtemps, j'ai fait un live dessus en 2016. Oui. Non mais je te dis, j'ai fait un live dessus en 2018, tu vois, avant la campagne d'ailleurs, ça n'était pas lié à la campagne. Il y a des documentaires, il y a des ONG, hein, donc il te suffit de te renseigner, tu verras, il y a plein de pygmées d'ailleurs qui s'en plaignent. Donc ce n'est pas un débat. C'est pour ça que je te dis, si vous voulez défendre les pygmées, ce n'est pas sur ça. Si tu veux vraiment défendre les pygmées, fais en sorte qu'ils ont accès à l'éducation, à l'eau, à l'électricité et aux hôpitaux. Qu'on essaie de préserver leur tissu environnemental en leur garantissant les mêmes droits que l'ensemble des Camerounais, à savoir le droit à l'école, le droit à la santé et le droit à l'éducation. C'est tout. Mais c'est là où on vous attend. Moi, je me suis battu pour ça. Tu vois? On se rend compte subitement que vous avez découvert que les pygmées sont des gens à protéger parce que vous avez vu ce mariage. Ça s'appelle de la récupération, Josiane. Ça Et en s'appelle fait, la récupération. ça s'appelle de la roubladise, Serge. Mais peu importe. C'est de la fausse Excuse-moi, Josiane, 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 roubladise. Josiane, Parce Josiane. que Je suis de... aujourd'hui, le mec, il Josiane, est installé. Josiane, Ils l'ont vu qu'il a 10 hectares de terre. Josiane. Déjà, On va faire très simple. Attention. il Non, 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 je suis pas sûr. est Non, je suis pas installé, sûr. ça. Je suis pas Vous sûr. posez la question, Est-ce Serge. que tu as la preuve? Moi, je veux bien t'écouter. Je Je peux n'écoute pas l'imaginaire que t'emmener tu toute connais. une vidéo, hein. Je Je non peux te non ramener non la non non vidéo non où non. il affirme lui-même J'ai qu'il a regardé. 10 Oui, j'ai. 10 hectares de terre. Tu veux que je te la ramène? Tu veux te l'envoyer tout de suite? Attends, admettons qu'il ait 10 hectares de terre à l'est. Les Chinois, ils en ont combien? Pourquoi les Chinois? C'est Non, question ça te dérange pas? de Chinois maintenant. Non, mais je te pose. Non, non, attends. Non, non. Est-ce que c'est En fait, quelqu'un de il faut. Chinois? J'ai l'impression Le que tu Chinois ne comprends pas la logique. quand il vient Non, mais. chercher son argent, le Chinois ne fait Josiane, pas partager les Josiane, choses aux Josiane, familles. Josiane, Le Josiane, Chinois vient chercher son argent Josiane, et après il part. Josiane, Oui. écoute-moi. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. L'exploitation peut durer des cinquantaines d'années à l'échelle de la vie d'un pygmée. Tu connais l'expérience des vies d'un pygmée au Cameroun? 35 ans. Donc, une exploitation qui dure 70 ans, c'est deux générations de pygmées qui sont pénalisées. Donc, ne me dis pas que le pygmée, il Tu vas n'exploite pas. me dire que tous les pygmées meurent à 35 ans quand Je même. te dis que l'expérience de vie, je te donne des chiffres. J'aime pas les discussions comme si on était au bar. Je te donne des informations que tu peux vérifier. L'expérience de vie de pygmée, c'est 35 ans. Ce n'est pas un débat. Si tu ne sais pas, va vérifier. Je ne te balance pas des chiffres comme ça pour discuter. Moi, je discute pas avec toi pour te gagner un débat. Hein. Quand je discute, c'est pour apprendre et c'est pour apporter des informations. Mais moi, je veux des informations, je ne veux pas des imaginations. S'il a des terrains, en admettant même qu'il a dit j'ai 10 hectares, qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'a pas acheté? Tu as la preuve qu'il ne les a pas achetés, qu'il les a volés? Est-ce qu'il y a une loi qui interdit un Camerounais lambda qui a les moyens d'acheter des terres à l'Est? Je rappelle que la province de l'Est, c'est la plus grande province du Cameroun. L'Est est grand comme un cinquième du Cameroun. Et là-bas, il y a quoi? Même pas un million d'habitants. Donc, tu as plein de terres là-bas qui sont inexploitées. Donc, qu'est-ce qui te fait dire que dès lors qu'un Camerounais a des terres à l'Est, il les a volées? C'est ça que j'essaie de comprendre, en fait. Qu'est-ce qui te fait dire ça que dès lors que. Mais j'en sais rien. Mais est-ce que tu as l'information? Admettons, moi, C'est je te dis, je ne qui? sais pas. 10 hectares. Mais Si c'est c'est pas ce vrai, qui ça. pose le problème aujourd'hui, Josiane, si c'est ce qui pose le le problème problème, aujourd'hui à qui les Josiane, ressortissants de Josiane, l'Ouest, Josiane, s'il te moi plaît. je veux savoir. Essayons. Josiane, je t'en Oh, supplie. Essayons de raisonner. Ne me parle pas comme si on était au quartier. Je veux que tout ce que tu affirmes, tu sois en mesure de prouver. Je ne sais pas s'il a acheté ou il n'a pas acheté. C'est pas moi qui affirme. C'est toi qui affirme. À partir du moment où tu affirmes, tu dois être en mesure de prouver ton affirmation. Moi, je ne sais pas. Il a 10 hectares. Il y a plusieurs hypothèses. Soit on lui a donné, ça peut arriver. Moi, on a donné un terrain à mon père à Foumbot. Plus tard, on est venu lui réclamer de l'argent dessus, il a fallu payer. Donc le terrain au départ, on lui avait donné gratos. Hein. C'était dans un quartier paumé de Foumbot. Mais plus tard, il a dû payer. Donc voilà, il y a parfois, on te donne un truc, après tu payes, t'en sais rien. Mais il y a des gens qui donnent des terrains comme ça. Donc, s'il a 10 hectares, soit on lui a donné, soit il les a achetés, oui, soit il les a extorqués. Il y a trois hypothèses. Pour que tu retiennes l'hypothèse, il les a extorqués, il faut que tu exclues définitivement les deux autres. Comment tu peux prouver qu'il ne les a pas achetés? Par quel moyen là, tu peux me prouver qu'il n'a pas acheté? C'est ça que je veux savoir. Je ne veux pas les discussions du bar, s'il te plaît, Josiane. Moi, je ne fais pas ça, moi, je ne sais pas faire là. Tu as remarqué que quand je traite un sujet, je ne le traite pas comme les autres. Je ne fais pas d'affirmations gratuites sur les gens. Je ne sais pas faire. Donc, toi, tu parles de roublardise. Est-ce qu'une nana qui arrive en France, qui n'a pas de papier, qui fait un enfant avec un vieux white, ou bien qui épouse un vieux white, est roublarde? Est-ce qu'elle est roublarde, Josiane? C'est une question directe, hein, parce que la situation, elle est symétrique, c'est la même chose. Est-ce qu'elle est roublarde? C'est la société qui impose ça ici, Oh Serge. là là. Josiane, je te C'est pas la prends, je te roublardise. prends, C'est la je te société rappelle, qui impose je ça. te, je Mais rappelle encore une chose. Je rappelle, je, si la non. fille vient te voir, toi qui es jeune, toi tu es français, tu Ça va n'as être pas les papiers. Donc ça elle est obligée d'aller chez le vieux chez qui elle aura les papiers, va, Serge. ça va être très compliqué en fait. Est-ce que si une Ça fille. va être très compliqué. En fait, il y a Si des. une fille vient te voir. Non, Serge, laisse-moi parler. Moi, j'arrive à faire, je suis sans papier. Je te dis, Serge, je n'ai pas de papier. Faisons un enfant. Tu vas l'accepter? Est-ce que tu vas accepter? Non. Je te Parce repose que la si question. ma fille non, Supposons elle vient là parce qu'elle est le gentille. mec qui veut faire l'agriculture. Il arrive à l'Est.
Il va acheter le terrain, on lui dit que non, on ne vend pas aux étrangers. Donc, il demande à la famille, vends-moi. Il va l'accepter. Si on veut justifier comme toi, on va tout justifier. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais ou pas mauvais. Quand on discute, il y a des principes qu'il faut appliquer pour pouvoir être sur la même sphère. Les principes de la rationalité, très important, je te les cite. Le premier principe, c'est le principe d'identité. La chose est ce qu'elle est en fonction de sa définition. Une escroquerie est une escroquerie. Commencer à dire, oui, mais j'ai escroqué, c'est la société qui l'impose. On peut le dire pour les Bamileke aussi. La corruption au Cameroun est telle que les gens, il y a certaines personnes qui n'ont pas accès à l'emploi comme les autres. Ça ne justifie pas le vote. Je les ai condamnés sur le même titre que toi. Je les ai condamnés. Le fait que tu aies fait 20 concours, tu n'es pas réussi, ne justifie pas que tu finisses braqueur. Je suis le premier, même si c'est un Bamileke, je vais l'assumer, je vais l'allumer là-dedans. Tu ne supporterais pas que je vienne t'expliquer ici que, s'agissant des Bamileke, comme tous les postes, c'est à partir de nos bêtises, ce qui n'est d'ailleurs pas vrai, hein, mais admettons, je me mets dans ce genre d'optique. L'optique tribaliste. Oui, comme tous les postes, ça appartient aux bêtises. Nous, les Bamileke n'ont rien, ils sont réduits à voler. Je te rappelle que quand je dénonçais les voleurs Bamileke. Laisse-moi finir ma phrase, s'il te plaît, laisse-moi finir ma phrase. Non, non, laisse-moi finir ma phrase, sinon on n'aura pas de sens. S'il te plaît, laisse-moi finir. Je vais t'expliquer ce que j'entends par tribaliste. Parce qu'on peut lui donner la bonne définition, mais dans les faits, pratiquer la mauvaise définition. Et je connais, j'ai discuté avec des gens qui me font ça, mais on me l'a fait par l'envers. Tu m'as vu condamner les voleurs ici. Tu as vu des gens venir m'expliquer que ces gens sont obligés de voler parce qu'ils se débrouillent. Je les ai allumés proprement. Donc, quand tu m'expliques que la femme qui épouse un white en Europe, ce n'est pas la roublardise. Par contre, le Bamileke qui épouse une white en Europe pour avoir les papiers et une vie confortable qu'elle n'aurait pas sans épouser le white, ce n'est pas la roublardise parce que c'est la société qui l'impose. Et tu trouves en fait derrière que le gars qui épouse une pygmée, je vais appliquer le principe de charité, je vais t'accorder que tu as raison, il le fait pour les terrains. Tu dis que ça, c'est la roublardise. Là, tu viens de violer le principe d'identité. La chose est ce qu'elle est. À partir du moment où tu t'associes à une personne pour un intérêt autre que l'amour, c'est la roublardise. Donc, si tu es d'accord, si tu considères que dans un cas A, c'est la roublardise, par principe d'identification, parallélisme des formes, forcément, la white, c'est ça. Et si tu traites ça, comme vous avez fait là, en brandissant partout sur Internet, oh, escroc, escroc, tu ne serais pas d'accord qu'on fasse ça à une fille qui arrive en France, qui n'a pas de papier. Je sais ce que c'est que vivre sans papier en France. J'ai vu beaucoup de gens. Tu n'es rien. Je rappelle ici que vivre en France sans papier, tu n'es rien. C'est pour ça que je ne vais jamais juger une meuf qui se met en couple avec un white, même si le gars a 70 ans, pour avoir les papiers, avoir son petit sans papier, bam, ça qui le pine derrière. Moi, j'ai connu des filles hein, à qui c'est arrivé d'ailleurs. Ça a mal fini. Ça dit que le gars est avec un Joe qui a 62 ans, qui lui va lui donner les papiers, mais comme le Joe n'a plus le coup du rein qui va bien, ben, il y a un petit bam, cela à côté qui est sans papier. C'était même d'ailleurs un boulot. Un petit bam, cela à côté qui est sans papier, qui chauffe le moteur. Je les juge pas. Parce que je comprends la difficulté. Et de l'autre côté, le vieux White, ben, il a déjà vécu sa vie. Avoir une compagnie d'une jeunette, même si la jeunette va se faire, c'est quoi ailleurs, c'est un prix qu'il est prêt à accepter parce que ça lui permet d'avoir une fin heureuse. Chacun y trouve son compte. Tu crois que le white, là, il a en tête que la meuf est là pour son physique? Non. Tu crois que la meuf est là pour amour? Il ne se trompe pas, il est le premier à le savoir. Il sait que la meuf est là pour son intérêt. Et lui, il aussi a la meuf pour son intérêt. Il a un intérêt, c'est que la meuf, elle a encore toute la juvénité, l'aspect juvénile qu'il n'a plus. Et la meuf est là pour le confort. Mais derrière, chacun, il le sait. Mais si tout le quartier commence à aller plaquer là tous les jours devant la barrière du white, oh, mariage blanc, les gens font des posts sur Internet, tu ne serais pas d'accord avec ça. Alors pourquoi tu le fais chez nous? Pourquoi on le fait chez nous en fait? Pourquoi on fait chez nous, entre nous, ce qu'on n'accepterait pas que les autres nous fassent dans leur pays? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que moi, j'ai moins une cohérence. On est ici. Moi, il n'y a rien qui m'a empêché. Je n'ai jamais été discriminé dans ce pays en tant qu'étranger. Jamais. C'est pour ça que quand je suis allé à l'aéroport en 2016, quand on a voulu me faire éviter de payer le truc pour le carnet jaune, là, je protestais contre ce carnet jaune. J'avais plusieurs Français avec moi. On voulait leur faire payer. J'ai dit non, 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 non. Soit je paye. Et ils payent tous, soit je ne paye pas, ils ne payent pas. Il me dit, mais tu es né ici. Je dis, non, 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 non. On a le même passeport. Je n'ai jamais été discriminé. Le passeport que j'ai entre les mains me donne dans leur pays les mêmes droits que le leur. Il n'y a pas un droit qu'ils ont avec leur passeport que je n'ai pas. Il n'y en a pas un. Donc, je ne vais pas accepter ça sur le sol camerounais. Les mecs ont demandé, il y a un gars qui est venu derrière qui a dit, vraiment, si vous laissez le gars ici, on ne va pas pouvoir travailler. On est ressortis tous les cinq. Ils n'ont rien payé. Ça s'appelle la cohérence. Je ne vais pas aller demander chez moi qu'on traite un blanc de cette manière-là pour venir me plaindre. Si je le fais, je ne peux plus me plaindre d'une discrimination. Si je peux me plaindre s'il y a une discrimination contre toi, Josiane, c'est parce que je la combats même chez moi. Si je la soutiens chez moi, à quel moment je vais venir me plaindre de ça ici? Tu vis en France où tu n'es pas discriminé, où tu as des droits. Si tu passes dans la rue, quelqu'un te pointe du doigt parce que tu es noir, tu vas aller lui porter plainte et la justice va recevoir ta plainte. Le mec, il va être sévèrement puni. Pourquoi tu ne veux pas ça dans un pays, dans ton pays? Pourquoi tu ne veux pas ça? C'est ça que je ne comprends pas. On a une situation ici, là. C'est un peu comme si tu vis en France. Tu as ton salaire tous les mois à la fin du mois. Tu peux vivre, tu peux planifier ta vie avec ton salaire. Et puis au Cameroun, tu trouves normal que les gens vivent sans salaire. Le premier principe de l'humanité, c'est quoi? Le premier principe de l'humanisme, c'est de vouloir à l'autre ce qu'on veut pour soi-même. Et c'est de refuser à l'autre ce qu'on ne veut pas pour soi-même.
Est-ce que tu veux vivre dans un pays sans discrimination, où on ne te prête pas de mauvaises intentions en raison de ta couleur de peau dans une relation, et tu le fais dans ton pays? Explique-moi, Suzanne. Là, je coupe mon micro, je te laisse parler. Vas-y, parle. Je vais te dire quelque chose. Je suis quelqu'un, je me trompe rarement. Je ne dis pas que je ne me trompe pas, mais je me trompe très rarement. Mon intuition me joue difficilement des sales tours. Quand j'ai vu ce gars, quand il a commencé à faire ses vidéos et autres, bon, je me suis dit, je reprends ce que j'ai dit. Je me suis dit, ah, qu'est-ce qu'il va faire, lui, celui-là? Bon, il a commencé à faire ses vidéos. Du jour au lendemain, je le vois, on le publie partout. Ouais, moi, j'ai trouvé. Moi, je vais te dire un truc. Tu peux pas aller chez les pygmées et tu dis aux gens, ouais, les gens, venez ici. Les pygmées, ça coûte moins cher. Si vous avez les femmes, vous avez besoin des femmes pygmées. Parce que les femmes pygmées, ça coûte moins cher. Écrivez-moi une box. Alerte, ça dit que ça nous alerte déjà que tu n'es pas là-bas pour du sérieux. Parce qu'aucun être humain ne coûte moins cher. On n'est pas là à la vente, on n'est pas là en train de vendre les êtres humains. Ou tu vas prendre ta caméra et tu vas dire, hey, les amis, les femmes pygmées coûtent moins cher. Si vous avez besoin d'une femme pygmée, écrivez-moi une box. Là, déjà, ça dit chez moi, tu es déjà quelqu'un à craindre. Deuxièmement, j'ai vu une autre vidéo de cet individu. Moi, je suis très féministe. Hein. Il est en train de faire une vidéo avec une fille, même dans les blagues. Il raconte dans cette vidéo, oui, vous savez, cette fille, je l'ai draguée longtemps et elle ne voulait pas de moi. Aujourd'hui qu'elle est enceinte de moi, elle me suit partout. Donc, elle est mon chien. Je dis, tout ce que je te dis là, je peux t'envoyer toutes ces vidéos-là. Je dis, même dans les blagues, tu ne peux pas traiter une femme de chien. Qu'elle te suit partout parce que tu l'avais enceinte. Troisièmement, il fait ses vidéos parce qu'il veut jouer le. Il fait le buzz. Moi, ce qui m'a interpellée, je me suis dit, ah, ce garçon, il va rester chez les Pygmées. Il était allé, soi-disant, créateur de contenu. Après, ce n'est plus ça. Il dit déjà qu'il est installé là-bas. Il a déjà une femme Pygmée. Après, c'est que non. J'ai déjà 10 hectares de terrain, j'ai des gens qui travaillent pour moi. Je suis allée, j'étais, comment dire, j'étais à l'Europe de l'Est où j'ai fait 2 ans. J'ai fait une formation agroalimentaire. Donc, je suis revenue au Cameroun pour pouvoir travailler et aider les Camerounais. OK. Quand moi, je fais donc ma sortie, écoute très bien. Quand je fais, tout le monde l'apprécie, hein. Oh, le gars a trouvé l'amour, le gars a trouvé l'amour, le gars a trouvé l'amour, c'est monté, c'est vendu vraiment. Les pygmées, c'est monté, c'est. Jusqu'à les gens lui écrivaient même bien une box de leur trouver les femmes moins chères. Là, déjà, c'est une insulte vis-à-vis des pygmées, dire que les femmes pygmées coûtent moins cher. Moi, je ne savais pas que c'est une marchandise, en fait. Donc, quand j'observe tous ces paramètres-là, j'analyse les vidéos à gauche, à droite. Entre-temps, on voit la nana que le mec a laissée en ville pour dire que. Il s'en va vivre avec cette pygmée-là. Non, il y a un intérêt quelque part. Les vidéos avec sa nana de la ville sont là. Mais il a laissé cette fille pour aller dire qu'il est amoureux d'une pygmée et tout, et tout, et tout. Mais attends, il faut quand même faire. Tu analyses vidéo par vidéo, tu vas comprendre que non, ça c'est un roublard, quoi. On a affaire ici à un roublard. Et c'est quand je fais ma sortie, tout le monde, je viens, tout le monde l'appréciait sur les réseaux sociaux. Oh, il a trouvé l'amour, il a trouvé l'amour. Je fais ma sortie. J'ai dit non, ça c'est un imposteur. Aujourd'hui, il y a les excuses sur Facebook. Il y a les directs sur TikTok. Peut-être ça fait un bout, tu n'es pas allé sur TikTok. Il y a les directs sur TikTok pour nous dire que non, le gars, s'il est à l'Est, s'il est resté à l'Est jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a envoûté. En effet, il était parti pour faire le buzz avec la fille, avec cette fille-là, cette fille pygmée, et que le mari. De cette fille pygmée, parce que c'est une fille enceinte, hein. Elle est enceinte, je pense qu'elle doit avoir 2 autres enfants. Elle est enceinte, elle a 2 autres enfants. Donc aujourd'hui, des histoires nous reviennent maintenant parce que les gens sont en train de défendre, parce que moi, je le présente comme un imposteur. Donc quand les gens viennent maintenant le défendre en disant non, s'il est là-bas, c'est pas, il n'est pas imposteur, il n'est même pas amoureux de cette fille-là, c'est parce qu'il est envoûté. Mais quelque part, je vais me dire, ah, donc j'avais raison quelque part. Pourquoi, avant que je ne fasse ma sortie, en le pointant du doigt en disant ça, c'est un imposteur, on le décriait
est comme celui-là, voilà, il a trouvé l'amour, il est bien. Aujourd'hui, que je fais ma sortie, on me ramène une histoire. Je dis, il va sur TikTok. Non, il est envoûté, il voulait faire le buzz, mais non, là, attaché là-bas, il faut que sa famille parte voir, parce qu'il a laissé en ville une femme enceinte de lui, une femme qui a deux enfants. Donc, quelque part, Serge, peut-être je peux me tromper, mais quelque part, j'avais raison. Il y a Anguille Souroche, en fait. Il y a Anguille Souroche. Va sur TikTok, va partout, là. On est en train de dire aujourd'hui que non, il est envoûté. Parce qu'il a laissé une autre fille derrière, enceinte. Soit elle a un enfant, soit elle est enceinte, je ne sais pas trop. Mais il a laissé une nana. Donc, mets-toi à ma place. Tu fais une sorte. Tu te dis, bon, je vais voir. Et puis, on te ramène après que non. S'il est là-bas, ce n'est pas parce qu'il est imposteur. Il est là-bas parce qu'on l'a envoûté. Il est dans la bouteille. Comment tu vas analyser ça? Je peux répondre? Vas-y. Très bien. Déjà, l'envoûtement, c'est quoi? Ah, moi, je ne sais pas. L'envoûtement, ça veut dire que sûrement, on a mangé son esprit, hein, spirituellement parlant. Donc, ça il ne connaît plus la route qui mène chez lui. Mm-hmm. Ça signifie quoi, manger l'esprit de quelqu'un spirituellement parlant? Parce que moi, je vais te dire un truc. Hein. J'aimerais bien manger l'esprit spirituellement parlant de quelqu'un qui m'a volé un truc et j'aimerais qu'il me le ramène. Je fais comment? J'ai prêté l'argent à un gars, il ne veut pas me rembourser. J'aimerais manger son esprit. Dis-moi comment je fais. Donne-moi le gars qui va me faire ça, je vais manger son esprit, il va revenir me donner l'argent. Mais je ne sais pas, apparemment, les pygmées ont les corps. Excuse-moi, toi tu y crois. Non, mais ne me parle pas des gens, s'il te plaît, je suis avec toi, Josiane. Respecte-moi deux secondes parce que moi j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu me parles d'un truc, pour que je puisse l'intégrer dans ce que tu me dis, il faut déjà que je vérifie que ça a avéré. Donc, commençons par l'envoûtement. Déjà, tu ne sais pas le définir, tu ne sais pas dire comment ça marche, mais c'est une croyance. Ce que tu oublies de dire, c'est que c'est une croyance. Et quand tu me demandes comment je vais procéder, tu t'attends à ce que je procède de la même façon que toi, là, dans tout ce que tu m'as dit, sincèrement. Tu t'attends à ce que je procède en partant déjà de quoi? Hein, tu parles déjà d'un préalable de l'envoûtement. Bah, commençons par établir l'envoûtement. C'est quoi l'envoûtement? C'est quoi manger l'esprit de quelqu'un? Ça veut dire quoi manger l'esprit de quelqu'un? Il y a des personnes qui perdent la boule pour rien. Il y a des nanas, tu la vois, tu sais c'est calculé. Parce que tu te dis, putain, cette meuf, j'ai qu'une vie, bah, j'en sais rien. Ouais, vas-y Serge. Ça paraît rien. Dis, j'ai qu'une vie, bah, si je dois tout balancer pour cette personne, tu l'acceptes. À quel moment c'est des choses qui existent ailleurs sans qu'on ne prête ce genre de nom à ça. L'envoûtement, ça veut rien dire, c'est des croyances. C'est comme le mot sorcellerie, tout le monde le dit, tout le monde existe, mais ce n'est pas des choses. Un sorcier, par définition, c'est quoi? Si je pose la question à 20 personnes, la définition de sorcier, on ne peut pas t'en sorceller. Mais non, ça n'existe pas. Ouais. Mais si ça existait, pourquoi vous n'avez pas ensorcelé ceux qui venaient vous vendre comme des esclaves? Je te dis juste, dans un monde où la sorcellerie existe, si ça existe vraiment avec les Africains longs, ils seraient les plus gros idiots de la planète. Parce que tu détiens là, par exemple, ça veut dire quoi? Les gens veulent se débarrasser de Poutine. Ben, tu ensorcelles Poutine démissionne. Et tu règles le problème de l'Ukraine. L'Ukraine te donne tout ce que tu veux. Poutine se fait ensorceler, il démissionne, il arrête la guerre, tous ses ministres dégagent, et tu deviens milliardaire. Dans un monde où ça existe, l'Afrique serait la première puissance du monde. Parce qu'avec ça, tu obtiens tout ce que tu veux. Tu vas négocier quelque chose, tu vas négocier, je sais pas, tu vas aller vendre le macabo aux Chinois, tu ensorceles le Chinois, il achète ça comme s'il achetait l'arme nucléaire. Pourquoi tu n'utilises pas ça pour ça? Donc, dans un monde où ça existe, je m'attendrai à ce qu'il ait des répercussions. L'absence de ces répercussions-là prouve définitivement que ça n'existe pas. Une chose existe par ses effets. Tu ne peux pas me dire qu'une chose existe, mais il n'existe aucun moyen de la caractériser. Ça s'appelle la non-refutabilité. Dans une discussion, quand quelqu'un te présente un phénomène qui est non-refutable, je ne dis pas irréfutable, hein. Irréfutable, ça veut dire que c'est implacable, il n'y a pas moyen de le refuter. Non-refutable, ça veut dire qu'il n'existe aucun moyen de prouver que c'est faux. Je te dis, la sorcellerie, c'est quoi? Tu dis, ça existe quoi? Ben, ça existe comment? Ben, ça existe, il n'y a qu'un initié qui peut voir. C'est qui un initié? Ah, trouvez-le! Bah, j'ai trouvé un gars, il m'a dit qu'il était initié, mais il n'avait pas la sorcellerie, il n'était pas, finalement, il s'est avéré qu'il n'avait pas de pouvoir. Ah bah, c'est que ce n'était pas un bon initié. Sophisme du faux écossais. Comment tu fais pour démontrer? C'est ce qu'on appelle le raisonnement. Quand quelqu'un te présente une affirmation, il faut que tu aies moyen de prouver que l'affirmation est fausse si elle est fausse. S'il n'existe aucun moyen de prouver que l'affirmation est fausse, ce n'est pas considéré comme une affirmation. Tu ne dois pas la prendre au sérieux. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? L'envoûtement, comment je la mets en évidence? J'aimerais bien. Vas-y, envoûte-moi, Josiane, je te retrouve à Montpellier demain. Vas-y, envoûte-moi. Fais en sorte que je prenne le TGV demain, au lieu de venir travailler, j'ai un programme de la semaine. Hein. Fais en sorte que demain, je prends l'avion, je te rejoins à Montpellier. Vas-y, envoûte-moi. Paye quelqu'un. Si tu le fais, ici devant les témoins, je prends tout ce que j'ai dans mon compte d'épargne, je donne, je sais pas, je donne à qui tu veux. Je viens à la personne que tu veux. Si tu connais un marabout super envoûté dans ton village, dis-lui qu'il m'envoûte, je te rejoins demain à Montpellier. Demain, ça dit
Demain, là, je fais un live avec toi à côté à côté de toi. Demain, je fais un live à côté. Tu m'en fous de telle enseigne que tous ceux qui sont en train de regarder ce live-là me voient demain de faire un live à côté de toi. Là, je suis à Paris. Tu me fais arriver à Montpellier demain. Demain à 19h, je suis à côté de toi en train de faire un live, alors que j'ai une journée chargée demain. Hein. Si je te montre mes agendas, tu vas voir, c'est full demain. Ça veut dire que demain, je manque à mes obligations. Je suis à Montpellier pour toi. Je fais un live côte à côté de toi. Là, je peux te dire que oui, tu vas me prouver que l'envoûtement existe. Ça n'existe pas. Le nombre de personnes à qui j'ai demandé, maraboutez-moi, tuez-moi par la suite. Je suis même allé chez un grand sorcier à Fumbot, grand Malum. Il m'a dit que s'il veut me prouver que il est sorcier, il va tuer ma mère. J'ai dit, pardon, tue ma mère. Parce que je n'ai pas peur de ça. J'ai dit, pardon, tue ma mère. Ma mère, elle est décédée 15 ans plus tard. Ça n'a aucun sens. C'est le truc, ce n'est pas parce qu'on répète quelque chose tous les jours, c'est dans la culture commune que finalement c'est vrai. C'est un peu comme c'est les mêmes conneries que le CFA, où tu as le vendeur d'eau glacée qui ne sait même pas résoudre une équation du type 2x plus 3 égale 5, mais il t'explique que la monnaie est un problème pour le Cameroun. Il explique à base de quelles compétences qu'il a. Parce qu'il a entendu répéter, 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 répéter. Mais il n'a aucune connaissance. Tu lui poses deux questions sur la monnaie, il ne connaît pas. Mais par contre, il est plus convaincu que le ministre de l'économie et des finances qu'on a au Cameroun, plus que le président du Cameroun, que la monnaie est un problème, mais il faut en sortir. Il le sait mieux qu'eux. Alors qu'on a des ministres qui ont déjà dit plusieurs fois, moi quand je suis devenu ministre de l'économie, pour moi c'était de travailler pour sortir du franc CFA. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que c'est le meilleur cadeau que le colon nous a laissé. Le mec, il est compétent en fait. Il est farouche anti-franc CFA. Pourquoi le Mali n'est pas sorti dedans? Pourquoi le Mali n'est pas sorti? Parce qu'on bavarde, on bavarde pour contenter les écervelés qui ne savent pas de quoi ils parlent. Mais la plupart du temps, ils ne sortent pas de là. Donc c'est la même chose. On répète des phénomènes comme si le fait de le répéter par tout le monde, ça existait. L'envoûtement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je te mets au défi. Hein. Ça n'existe pas. Sinon, pourquoi tu n'envoûtes pas Brad Pitt? Mon frère, non mais Josiane, tu as moyen d'envoûter Brad Pitt, tu fais quoi à Montpellier? Sérieusement? Tu n'as pas envie de vivre à Malibu? Mais je sais c'est pas. toi, c'est toi, c'est toi qui va monter. C'est Bah tout. vas-y, bah vas-y, vas-y, fais-le. Moi, je suis chaud, je veux bien. Je veux bien vérifier que tu m'envoûtes. Tout le monde est en train de regarder là. Demain, on me voit à Montpellier là. Que tu m'as mis le torba si je suis arrivé là. Les gars vont comprendre que ton gars là, il est puissant. Tu vas voir même une horde de filles qui va t'appeler pour te dire que gars, il y a un mec là aussi que j'ai calculé là. Donne-moi ton secret, pardon. Je vais te payer, tu vas bien. Les gens, ils aiment les résultats. Depuis que j'ai perdu 17 kilos, tout le monde m'écrit inbox, me dit, tu as fait comment? Les gars aiment ce qui marche. Tu comprends? Moi, j'ai dit, quand je suis revenu de vacances, que je me donne quelques mois pour retrouver ma silhouette de 2020. Je ne savais pas que ça allait être aussi rapide parce que la discipline, ça paye. En 3 mois, j'ai perdu. Là, je crois qu'aujourd'hui, là, le matin, j'ai payé. Ça fait 18 kilos que j'ai perdu en 3 mois. J'ai commencé le 19 août. J'ai pris la décision le 19 août de m'attaquer au problème. 18 kilos en un peu plus de 3 mois, puisque on est le 26 novembre. C'est la discipline. Les gens, ils m'ont écrit partout. Ouais, tu as fait comment? Pardon, donne-moi ton coach. Je suis prêt à le payer même 2000 euros parce que vraiment, l'efficacité qui est sur toi. Ben voilà. Les gens aiment ce qui marche. Donc, je te garantis que demain, tu me fais arriver à Montpellier là. Les gens vont t'appeler, Josiane. Les gens vont t'appeler. Ils vont te dire que non, l'engalade. Non, elle maîtrise. Non, pour être plus sérieux, l'envoûtement, ça n'existe pas. Ça ne peut pas être un élément que tu utilises pour justifier ta position. Parce qu'avant de pouvoir prouver. Non, non, avant de pouvoir prouver. Avant de pouvoir prouver. Non, non, je vais Ce n'est pas t'expliquer. pour qui justifie ma position. Je Il n'y a suis pas en que train ça. de dire Il n'y a pas que ça. que c'est ce que j'ai dit qui pousse Non, les il n'y a pas que ça. détenteurs à Oui, qui il est mais envoûté. on est d'accord, oui, mais bien sûr, mais il utilise un phénomène qui n'existe pas. Pour pouvoir l'utiliser comme charge, pour pouvoir l'utiliser comme charge, il faut d'abord prouver que ça existe. Parce qu'en fait, tu te rajoutes une hypothèse, on appelle ça en fait privilégier une hypothèse qui est très coûteuse. Quand tu veux expliquer un phénomène, tu ne vas pas l'expliquer par. Tu ne vas pas te donner une explication qui appelle d'autres, qui t'appelle, qui nécessite que dans l'explication, tu expliques encore plus de choses que tu as. Je prends un exemple. Si tu arrives chez toi un soir, tu as un enfant que tu sais que quand tu laisses 1 euro devant lui, il a l'habitude de frapper. Tu as fermé ta maison à clé, tu es parti, il n'y a pas eu d'infraction dans ta maison. Tu as déposé ton portefeuille avec 50 euros. Tu reviens. Tu dis, il s'est passé quoi? Bah, la première personne te dit que, gars, c'est un bamiléké envoûté qui est entré par la sorcellerie, il a pris ça. Un autre te dit, c'est les extraterrestres qui sont venus prendre cette monnaie-là. Et un troisième te dit que l'argent a voyagé dans le temps. C'est-à-dire qu'il est retourné chez son ancien propriétaire avant qu'on te donne. Et un quatrième te dit, bah non, c'est ton fils qui l'a pris et gardé quelque part dans la maison. Tu vas choisir quelle hypothèse? Tu n'étais pas là, tu ne sais pas ce qui s'est passé, personne n'était là. Ta maison n'a pas subi d'infraction. Il n'y a pas eu d'infraction. Les caméras que tu as mises autour montrent que personne n'est entré après toi. Est-ce que tu vas privilégier les 3 premières hypothèses? Parce qu'il faudrait prouver qu'un Bamileke a la capacité d'avoir un pouvoir d'entrer dans une maison sans effraction, c'est-à-dire traverser par le mur, sans se décomposer, c'est-à-dire se fluidifier, traverser par le mur. Il faut démontrer que cette technologie existe déjà et ensuite démontrer que le Bamileke est là. Ben, le deuxième cas, les extraterrestres. Il faut d'abord démontrer que les extraterrestres existent, qu'ils peuvent arriver sur Terre, et avant de dire qu'ils ont pu venir voler ton argent.
Et le troisième cas, il faut démontrer que le voyage dans le temps est possible. Ton argent, voilà. Non, mais, donc, il faut choisir les hypothèses qui ne demandent pas que tu prouves chacune des choses que tu prouves. Si tu me dis, je crois à la sorcellerie, pourquoi? Parce que la sorcellerie existe parce que on a envoûté ma mère, l'envoûtement existe. Je vais te demander, pour moi, que l'envoûtement existe. Tu veux m'expliquer la sorcellerie par un phénomène qui nécessite aussi que tu expliques. Alors que dis que ton fils a pris l'argent, ça ne te demande pas d'explication compliquée. Ton enfant, il a l'habitude, quand tu négliges 50, 5 euros de frapper, il a l'habitude de frapper. Tu laisses ton pote faire l'argent, c'est lui qui a frappé, il a gardé dans la maison, c'est tout. C'est l'hypothèse qui va, c'est l'explication qui ne va pas te demander plusieurs hypothèses derrière. Il faut toujours, quand tu as le souci de t'assurer que ce que tu dis est vrai, d'avoir cette approche-là. Et encore une fois, ce n'est pas parce que tu crois à un phénomène que le phénomène existe. Donc tu ne peux pas le présenter devant un non-croyant comme une preuve. Parce que le non-croyant, il est à l'abri de tout ça. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Je ne crois qu'à ce qui est rationnel. Parce que jusqu'à preuve du contraire, rien n'a été prouvé d'irrationnel. Rien. À part, il y a les gens qui ont souvent des anecdotes. Mais quand tu regardes l'anecdote de la personne, tu comprends que c'est son ignorance qui parle. Il ne connaît pas tous les phénomènes. L'autre jour, mon oncle m'expliquait que qu'il me montrait une vidéo de quelqu'un qui se roulait sur le feu, qui ramassait la braise avec la main et qui déchargeait la marmite sans gants. Il me disait que c'est des phénomènes surnaturels que le blanc ne peut expliquer. Alors que moi, je suis ingénieur en transfert thermique. Donc, manque de peau pour lui, mon domaine permet d'expliquer ça. Ramasser le charbon et le bois, tu peux le tenir dans ta main quelques microsecondes, sans problème. Parce que le charbon du bois n'a pas une forte effusivité. Si je te mets les équations qui régissent ça, c'est très très compliqué. Ça te fait appeler à des fonctions bizarres. Mais ça marche. Je sais l'expliquer, je sais la mettre en équation. C'est mon métier. Je le fais pas. Heureusement, ces équations-là, je ne les utilise pas tous les jours. Parce que quand je faisais ça à l'école, j'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ces équations bizarres là et tout? Heureusement, je ne les fais pas tous les jours dans mon travail. Mais ça marche. Ça explique cela. Or, lui, c'est quoi? Quand mon oncle a cru que c'était sorcier, c'est son ignorance qui parlait. L'autre qui s'est tourné, qui se couchait au feu, il avait plusieurs couches d'habits. D'habits sur lui, qui faisait couverture, qui faisait office d'isolation. Mais c'est normal. Il se couche dessus 10 secondes. Mais c'est normal qu'il ne sente pas la brûlure. Va te coucher sur le feu à poil, tu restes 1 heure dessus et on en reparle. Ça, ce serait extraordinaire. Et encore même, ce n'est pas parce que tu as fait ça que ça veut dire que tu es capable de m'envoûter. Et c'est souvent avec ça qu'on impressionne l'Africain. Parce qu'on te fait d'abord une première chose, ça te bluffe. Et après, le mec te dit, tu as vu, hein, je suis capable de décharger la marmite sans mettre les gants. Tu cherches le boulot, non? Donne-moi 1 million, je fais qu'un décret sorte de mon autonome. Toi, comme un con, tu donnes 1 million. Il est où le rapport entre le fait d'être capable, d'être assez puissant pour décharger la marmite du feu et le fait de pouvoir influencer sur la volonté des gens pour que tu aies un travail? Il n'y a aucun rapport. Le seul truc, c'est que comme ça t'a bluffé, tu as dit que ça, c'était surnaturel. Donc, toute affirmation surnaturelle qui va te faire va devenir vraie. Et c'est comme ça qu'on attrape les pigeons, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des pays qui n'avancent pas, parce qu'on est rempli que des croyances qui ne tiennent pas la route. Dans un pays où la sorcellerie existe, où la magie noire existe, je ne comprends pas que vous ayez besoin de carburant pour faire déplacer votre voiture. Je ne comprends pas que vous ayez besoin d'aller acheter du gaz à la station. Vous pouvez faire du feu tout seul. Je ne comprends pas que vous ayez besoin de l'électricité, comment dire, du courant pour avoir l'électricité. Ça n'a aucun sens. Dans un pays, dans un monde où ça existe, c'est du surnaturel. Vous pouvez défier toutes les lois de la physique, faire fonctionner une lampe à partir de rien. Vous pouvez faire ça si ça existe. Donc, évidemment, comme aucun de ces phénomènes que j'attendrais dans un monde où le surnaturel, où l'irrationnel est possible, comme aucun de ces phénomènes n'a jamais été observé, ça veut dire que la sorcellerie, en fait, finalement, ça ne te distingue pas de toi et moi. Donc, finalement, c'est un phénomène qui n'a rien d'extraordinaire. Un sorcier, ça peut être moi, je peux me définir sorcier toi aussi. Au final, on n'a rien, on n'a aucun pouvoir. Les sorciers du Cameroun, ils n'ont pas plus de pouvoir que toi et moi, jusqu'à preuve du contraire. Et je peux te garantir que j'ai 43 ans, hein, ça fait plus de 20 ans que je cherche. Et j'ai vécu dans une zone où on prétendait que les grands marabouts vivaient là-bas. Les gens partaient de Yaoundé pour venir là-bas les voir. À Foumbot, les grands ma'alem, c'est là-bas que je sors. Je les ai piégés moi-même. Je prends une montre, je mets dans ma poche. C'est qui a volé? On commence à m'accuser la troisième personne qui m'a salué le matin. C'est des couillons. C'est des couillons. Ça n'existe pas. Il faudrait que les gars, les Camerounais, à un moment donné, acceptent ça. Que quand tu veux quelque chose, tu travailles. Il n'y a pas de maraboutage. Tu veux quelque chose, tu travailles pour l'avoir. Point à la ligne. Enfin bref, je vais revenir sur tes affirmations. Les pygmées coûtent moins cher. OK, évidemment, c'est mal placé que de dire ça. Mais moi, je te mets aussi des Camerounaises en Europe qui t'expliquent que les Watts dérangent moins que les Camerounais. C'est-à-dire que quand tu épouses une White, ils ne te cassent pas les couilles pour te donner les papiers. Les Watts, c'est notre moins cher. Les Camerounais, quand ils savent que tu es là pour les papiers, il va bien. C'est pour ça qu'un Camer qui fait là les papiers, il va jamais aller avec une Black qui est française. Parce qu'il sait que la langue maîtrise tous les phénomènes de frappe. Elle va te pourrir jusqu'à ta part va venir. Ils ont déjà fait même. Ils faisaient souvent des slogans là sur Internet pour dire alerte, alerte, n'allez jamais avec une Black qui est française. Vous n'aurez rien.
Donc, on peut raisonner de la même façon et dire que c'est le même type, hein. C'est un parallélisme de forme. De parler d'une pygmée comme ça, c'est mal, mais utiliser souvent le blanc comme de la viande qui ne sert que de la chair à papier, c'est aussi très mal. Et j'aimerais voir aussi ceux qui condamnent ce genre de choses dans leur pays, condamner ce genre de choses. Parce que moi, je condamne les deux, hein. Je considère que, d'ailleurs, que ce soit ma petite soeur quand elle est arrivée, ma petite soeur elle est arrivée quand mon petit frère est décédé, elle est venue à la base d'abord pour les obsèques de mon petit frère. Elle devait rentrer et comme c'était pendant le Covid, les frontières étaient fermées. Normalement, elle faisait la même école que mon frère. Cette école-là, en général, quand tu finis, c'est directement visa pour venir en France, c'est automatique. Et quand elle est venue, elle est calée, elle ne pouvait pas rentrer. La rentrée de septembre, là, les ambassades n'étaient pas ouvertes. Donc, finalement, entre-temps, elle a rencontré un jeune. Et je lui avais dit, moi, je ne veux pas que tu cherches quelqu'un pour avoir les papiers. Si tu as quelqu'un, tu te mets avec quelqu'un que tu aimes, et c'est une vraie relation. Je ne suis pas pour l'idée qu'on utilise une personne comme un objectif. Je ne peux jamais approuver cette idée-là. Tu ne trouveras personne dans mon entourage qui accepte, qui peut me voir approuver ce genre d'idée. Donc, je suis contre les choses. Je suis contre dans les deux cas. Ce n'est pas qu'au Cameroun. De la même façon que si un Bamileke se met avec une pygmée pour exploiter ses terres, je suis contre. Un Bamileke, un Camerounais qui se met en France, juste avec une blanche, juste pour les papiers, je suis aussi contre. Tu te mets avec une, tu acceptes que c'est pas amour que t'es, c'est tout. Donc je suis contre les deux situations. Donc l'idée de faire ça, quand le mec il dit écrivez-moi e-box, bon oui, les gens font parfois des bêtises pour se faire remarquer, et j'avoue que c'est inconvénient. Très bien. Mais ça ne prouve pas que lui il est là-bas pour les papiers. Encore une fois, c'est pas parce qu'il est un connard verbal, ça peut être un mec qui fait du buzz tout simplement. Deuxième chose, ça c'est une fille. Donc quand il te parle de la fille qu'il a draguée, qu'il a qualifiée de ma chienne. Dans les faits, les Camerounais qualifient quasiment toutes les femmes de chiennes. Quand un homme qui fait trois enfants avec une femme et qui se barre sans, et qui abandonne du jour au lendemain, il ne paye même pas la pension des écoles, de l'enfant. On appelle ça quoi? C'est pire que de traiter quelqu'un de chien. Donc, c'est inconvénient. Pour moi, ce n'est pas un élément à charge qui prouve qu'il est avec cette fille pour voler le terrain. Donc, ça prouve que c'est un connard. Voilà. Tout ce que ça prouve, c'est que c'est un connard. Troisième chose, vidéo, buzz, pygmée, créateur de contenu. Bon, très bien, il est parti pour créer le contenu. Et il a décidé de créer autre chose. Beaucoup de gens sont arrivés en France pour du tourisme. Hein. Ils sont venus pour un colloque, ils sont venus pour une, comment on appelle ça là, pour une compétition, ils sont calés. Certains sont venus pour des concerts, et ils sont calés. Bon, voilà. Tu vas faire quoi? Tu vas faire des publications pour leur dire ça? Non. Donc, il peut décider, il a le droit d'arriver, il est libre au Cameroun, partout. La Constitution le lui garantit. Il a le droit d'aller à l'Est pour faire un reportage, de caler là-bas pour une meuf. Il a le droit. Rien ne l'en interdit. Et ce n'est en rien suspect. Quatrièmement, tu as dit, nous, comment dire, j'ai fait. Il a fait quoi? Il a fait 2 années dans un pays d'Europe de l'Est. Voilà, j'ai fait 2 ans dans un pays de l'Est où j'ai appris des techniques d'agriculture. Voilà, ça peut être pour ça qu'il a pris 10 hectares de terrain à l'Est. Et rien ne te prouve qu'il ne les a pas achetés jusqu'à preuve du contraire. Moi, je ne demande que ça. Hein, si tu me... Parce que pour que tu prouves qu'il a escroqué ça à la fille, il faut prouver que la fille a la tête comment dire, d'un gros ranch, quoi. Il faut prouver que la fille dispose de pas mal de terres, mais il suffit de venir l'épouser et tu as une partie. Donc, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, pour moi, l'hypothèse qu'il a achetée est aussi vraie que l'hypothèse qu'il a escroquée. Et tu ne peux pas décider de choisir une hypothèse parce que c'est celle qui t'arrange. Tu ne peux pas décider. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas volé. J'ai vu tous les lives que tu parles sur Facebook. Évidemment, je ne les ai pas écoutés longtemps. C'est des lives que les gens viennent raconter. Ils n'ont rien, en fait. C'est pas parce que 10 personnes dans un live interviennent pour donner leur sentiment que ça veut dire qu'ils ont dit quelque chose de plus que toi. Ils n'ont rien dit de plus que toi. Josiane, ils t'intéressent parce qu'ils vont dans le même sens que toi. Tu es tombé dans ce qu'on appelle le biais de confirmation. Tu as dit un truc et tu as regardé ce que tout ce que les autres, tu as regardé, tu t'es rendu compte qu'il y a plein de personnes qui disent la même chose que toi. Mais ils n'ont rien dit de plus que toi, en ce sens qu'ils n'ont rien apporté de plus que ce que toi tu as apporté. Ils n'ont rien apporté. Ils n'ont que le soupçon comme toi. Rien de plus. Ils ont parlé de l'envoûtement, tout ça, machin, j'ai entendu ça. Mais ce n'est pas une preuve. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Voilà. C'est-à-dire que l'argumentaire que je suis en train de faire vis-à-vis de toi, ça fracasse tout ça. Ils ont beau être Vous 10 000, parce que m'impressionnez qu'ils 10 000 personnes, sont 10 000 personnes qui font des en train affirmations de gratuites. Bon, c'est pas grave qu'on signe à mon live, j'ai l'habitude, ils ont déjà supprimé une de mes chaînes, il n'y a pas de problème. Donc, quand le mec dit que la femme est moins chère à l'Est, bon, il y a plusieurs raisons. Tu connais comment on dote les femmes chez toi et chez moi. Hein? Je pense que de ce côté-là, Bamileke ne peut pas donner de leçons aux boules ou les boules ne peuvent pas donner de leçons aux Bamileke. Hein? La dot, ça ne rigole pas. Alors, peut-être qu'à l'Est, il n'y a pas de dot. Donc, il est en train de dire, les gars, au lieu d'aller vous emmerder, donner des dots à des familles, venez ici, il n'y a pas de dots. Pourquoi tu n'as pas envisagé ça en dehors? C'est possible ou pas? C'est possible que ce soit uniquement pour ça qu'il ait dit ou pas? Je ne dis pas que c'est ça. Hein. Est-ce que c'est possible? De toutes les façons, moi, je dirais toujours que la femme, ce n'est pas une marchandise ou au On est point d'accord, avec mais d'accord, mais dans ces cas, on est contre. Je suis d'accord avec toi. Hein. C'est pour ça que je n'ai jamais demandé de dots à qui que ce c'est soit. pas Non, mais je te dis tout de suite, hein. une Je suis marchandise. d'accord avec toi. Je C'est suis pas comme d'accord si avec on était toi. à un marché de détail, hein.
On va pas débattre là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je suis contre la dot. Est-ce que toi tu es contre la dot, Josiane? Ce sont les traditions, on doit respecter Ah les bah traditions. voilà, mais la tradition de la dot, ça chosifie une femme, donc tu n'es pas cohérente. Tu vois le problème avec toi ou pas? Est-ce que tu commences à voir le problème? La dot, Position de la femme. non, la dot, ça veut dire j'achète littéralement. Hein, tu vas pas me la faire à l'envers. Moi, je connais comment ça marche. La dot, littéralement, c'est venir acheter la femme chez les parents. Venir acheter la femme chez les parents. Si tu es contre la chosification de la femme, tu devrais être contre la dot. Tu es contre la dot ou pas? Je te repose la question. Ne me dis pas ces traditions. Il ne faut pas avoir des hypothèses ad hoc. Ne dis pas je suis contre le vol. Je te présente un exemple de vol. Tu commences à dire oui, mais ça, c'est ce qu'on appelle les hypothèses ad hoc. Soit tu es contre le vol et tu es contre le vol dans toutes les situations. Soit tu es pour le vol. Dans ces cas-là, soit tu ne viens pas dire je suis contre le vol et tu choisis le vol qui t'énerve. Oui, je suis contre le vol. Mais si c'est mon fils, tu comprends, il a été traumatisé, son papa l'a abandonné, il avait 3 ans, j'en sais rien. Tu vas trouver toutes les excuses. Chaque voleur a son histoire, Josiane. Chaque voleur a son histoire. Et que si tu écoutes, tu auras envie de le relâcher. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai souvent trouvé que la justice populaire, elle est morbide. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent en train de voler parce que la vie les a gérés et que ce ne sont pas des voleurs. C'est pour ça que je suis contre la justice populaire. Vous allez tuer des personnes qui étaient au bout du rouleau. Son enfant était malade peut-être. Il s'est dit, ce téléphone qui est négligé là, si j'arrive à le vendre à 50 000, je sauve mon enfant, il finit brûlé au pneu. On n'en sait rien. Si on ne l'a pas écouté, on ne connaît pas l'histoire. Évidemment, je trouve que voler n'est pas bien. Je ne suis pas en train de justifier le vol. Enfin, j'estime que tuer quelqu'un parce qu'il a volé, non. Non. Tu ne serais pas d'accord qu'en France, on lynche ton enfant dans un quartier parce qu'il a volé un téléphone. Bah, non, on ne doit pas être pour le lynchage des voleurs au Cameroun. Sauf que la plupart du temps, je vois des gens qui vivent en France qui sont pour le lynchage des voleurs au Cameroun. Mais par contre, oui, hein, leurs amis, leurs enfants en France, s'ils se font lyncher dans un quartier blanc où ils ont volé, bah, c'est du racisme. Je veux pour les autres ce que je ne veux pas pour moi. C'est le contraire du principe de l'humanisme. L'humanisme, c'est vouloir pour l'autre exactement ce que tu veux pour toi et refuser à l'autre ce que tu ne veux pas pour toi. Moi, je ne veux pas que quelqu'un épouse mon enfant demain pour les papiers. C'est pour ça que je ne peux soutenir aucun de mes frères qui épouse une femme pour les papiers. Je ne peux pas soutenir ça. Je ne peux pas. Ça s'appelle la cohérence. Je suis contre la dot. Je suis contre le fait qu'on trouve, on choisit une femme. Je suis contre. C'est pour ça que le principe de la dot, ça, je ne suis pas. Tu ne me verras pas, ma petite soeur avec son petit jeune white là. Je pouvais lui demander la dot. C'est moi qui ai ma soeur à master et travail, donc je peux demander la dot. Je suis comme son père, c'est moi qui ai fait d'elle ce qu'elle est. Je ne peux pas, je n'ai jamais demandé ça. Ma petite soeur même qui est partie au Canada, quand il y a un gars qui voulait l'épouser au Cameroun, les oncles étaient là pour la dot. On a dit oh, pop, 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 zéro dot. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est que le mec rende notre soeur heureuse. Point à la ligne. L'argent qu'ils ont, c'est pour leur foyer. On s'y est opposé. Donc moi, je suis cohérent là-dessus. Oui, je suis contre la dot, je suis contre la chosification de la femme. Mais je suis mal à l'aise quand quelqu'un me dit est contre la chosification de la femme. Quand quelqu'un dit venez ici, les femmes sont moins chères, et après me dit je suis pour la dot parce que c'est les traditions. Mais oui, on ne va pas. Moi, personnellement, les gens ont leur tradition. C'est pas à nous de venir les changer, Serge. Ce sont les traditions. Bah, peu importe, à C'est partir du moment, à partir, mais tu peux pas. Les Européens ont une tradition que chez eux, on ne dote pas. Non, Donc, non, je peux non, 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 tu voir peux si. doter. Tu peux doter. Tu peux doter si tu veux. Il y a des familles qui peuvent demander des dots. Ce n'est pas interdit. C'est juste que dans leur façon de faire, Les oui, Européens, est-ce ils qu'on sont. a Non, non, ce n'est pas la beaucoup tradition. Ils sont contre la chosification. C'est pour ça qu'on a arrêté ces pratiques-là. C'est parce que ça chosifiait la femme. Comme ça chosifiait la femme, l'argument de c'est des traditions, c'est ceci, n'est pas acceptable. Par contre, les Arabes, la religion musulmane, valide ce principe-là. Comme ils sont musulmans et ils sont accrochés à leur texte, ils ont arrêté. Dans la religion chrétienne, c'est aussi autorisé de doter une femme. C'est autorisé. Mais sauf que. Au jour d'aujourd'hui, avec l'évolution qu'on a, on s'interdit toute action qui vise à chosifier une femme. On ne va pas dire si, on interdit l'action, mais sauf là, parce que c'est la tradition. C'est ça que le noir ne sait pas comprendre. Vous croyez que vous aviez les traditions plus que qui? Du coup, vous croyez que. Mais vous, attendez, j'ai souvent l'impression que le noir croit qu'il est le seul à avoir cru à la sorcellerie. Vous croyez que les blancs n'avaient pas la tradition débile? Vous croyez qu'ils ne croyaient pas à la sorcellerie aussi? Ils ont cru à ça aussi. C'est l'évolution des connaissances qui leur ont fait abandonner ces pratiques. Point à la ligne. Donc, quand tu considères qu'une action chosifie la femme, tu ne peux pas dire je suis contre, mais quand on te prend un exemple dans ton village, tu commences à dire non, non, c'est la culture, qui sommes-nous pour changer? C'est les qui? C'est les animaux qui ont changé la culture en Europe? Je te rappelle que quand je suis arrivé en France, parce que vous êtes sur l'habitude de dire que l'homosexualité c'est une culture européenne, quand j'arrivais en France, on tapait encore les homosexuels avec les cailloux. Hein. Il y avait encore l'expression casser du PD. Tu comprends ce que je veux dire ou pas?
quand j'arrivais en France, l'expression casser du PD, ça existait encore. C'est-à-dire que des gens qui étaient homosexuels se faisaient attraper au coin de rue, se faisaient tabasser. Ce n'est pas une affaire, c'est la culture des whites. Les whites ne les ont pas acceptés comme toi-même. On les appelait dans les années 70 les invertis. Ce n'est pas une question de culture des whites. Pourquoi ils en sont arrivés à l'accepter? C'est l'évolution des connaissances. Ce n'est pas une question que non, non, c'est la culture. À vous entendre, c'est comme si bah, depuis les années 2000, les whites a toujours trouvé que l'homosexualité n'était pas un problème. Bah, si, si, ça a été un problème dans ce pays. C'était un problème, madame. Je dis l'expression casser du PD, ce n'était pas des blacks. Hein. Ce n'était pas des blacks qui faisaient des ratonnades aux homosexuels. Hein. C'était des whites. C'était des whites chrétiens. Ça a arrêté. On n'entend plus, qu'il y a des homosexuels agressés. Donc les choses ont évolué. Les gens, ils ont évolué en termes de mentalité. Quand tu te rends compte qu'il y a plein d'homosexuels qui sont capables, qui ont fait évoluer la science, l'ordinateur que tout le monde utilise, le doigt Alan Turing, homosexuel. On peut te citer des homosexuels dont leurs travaux ont fait avancer le monde. Donc, il y en a d'autres aujourd'hui, tu les mets dans les mêmes conditions, ils peuvent faire des travaux qui vont avancer le monde. C'est dommage de les priver de liberté, de les casser, de les tuer dans la société, parce qu'ils sont différents de nous. Ils sont pareils que nous, à ceci près qu'ils ont un penchant qui ne nous concerne pas. Ils font dans la chambre, on s'en bat les couilles. Ça ne nous concerne pas. C'est les connaissances qui ont permis ça. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est les whites là-bas. Non. C'est que chez nous, on s'arc-boute derrière le fait qu'une tradition elle est inaliénable, on ne peut pas la changer. Non, les whites, ils avaient des traditions. Tu sais que jusqu'en 2012, c'était interdit à la femme de porter le pantalon. Ça, à un moment donné, ils n'appliquaient plus la loi. Mais la loi était toujours écrite. Hein. Ils ont fait sauter ça du code pénal, du code civil en 2012. C'est en 2012, jusqu'en 2012. Ça veut dire qu'il y a une époque en France, une femme qui portait le pantalon, c'était interdit, c'était puni. Au fur et à mesure, c'est tombé en désuétude, mais la loi RSM n'était pas appliquée. Jusqu'à ce que quelqu'un dit, bon, quand même, il faut arrêter ça. C'est pareil que les chiens. Jusqu'à récemment, un chien, il était considéré comme un meuble. L'article qui concernait les chiens, c'est le même article qui concernait les meubles. On considérait le chien comme ta chaise chez toi. Pour pouvoir poursuivre les gens qui maltraitent des animaux, il a fallu changer cette loi. Parce que les gens, au fur et à mesure que les connaissances évoluent, non, ce n'est pas acceptable que tu maltraites un chien parce que c'est ton chien. Ce n'est pas acceptable. Oui. C'est comme ça, c'est tout. Donc, il y a beaucoup de choses qui évoluent. On a tous des traditions. Tout le monde a eu des traditions. Mais les traditions sont faites pour changer. C'est les hommes qui doivent changer en fonction des nouvelles connaissances qu'ils ont. Est-ce que tu penses que toi, tu as les mêmes connaissances que ton arrière-arrière-grand-mère? Je pense que tu en sais un peu plus du monde qu'elle. On est d'accord? Tu ne vas pas me dire que tu vas pas me dire que ton arrière-grand-mère a mieux compris le monde que toi. Voyons. Ce serait une insulte à ce serait une insulte à toutes les connaissances qu'on a accumulées jusque-là. Moi, mon grand-père, il n'avait même pas le 1 milliardième de mes connaissances. Ce n'est pas parce qu'il est âgé. Hein. La connaissance du monde que j'ai jusqu'au fin fond de l'univers observable, du cosmique, mon grand-père ne l'avait pas. Pour mon grand-père, la Terre était plate et le Soleil tournait autour de la Terre. Point à la ligne, il ne connaissait même pas Jupiter. Il ne connaît même pas Mars, mon grand-père. Qu'est-ce que je vais aller m'aligner sur un truc en disant que les ancêtres ont décidé, c'est comme ça. Mais tu sais, le type qui a décidé, c'est qu'il ne connaissait rien en médecine. Dans mon village, on masse encore le pied des gens qui sont cassés au pied. Toi, tu es dans la médecine. Est-ce qu'on doit masser un bras cassé? Non. Tu sais que c'est plus dangereux pour le bras que de mettre un plâtre, on est d'accord. Il y a encore des gens, ils continuent de le pratiquer chez nous. Et ils sont surpris qu'une fracture qui dure un mois et demi pour guérir, chez nous, ça met 6 mois. Bon, quand tu dis quelqu'un que tu t'es cassé le pied au bout d'un mois et demi, tu remarches ici, le gars te dit, mais c'est comment? Vos blancs là sont plus efficaces que nos masseurs du pays. Ben non, vos masseurs ne guérissent rien. Ils aggravent le mal. Mais ça, les mecs, ils continuent d'y croire. Donc oui, beaucoup de gens ont cru à des bêtises et je ne peux pas m'aligner sur des préceptes traditionnels décidés par des gens qui n'avaient pas la connaissance du monde que moi j'ai. Ils ont décidé ça par rapport à quelle connaissance? Ils avaient quelle connaissance du monde pour que je les prenne au sérieux? On décide quelque chose en sachant de quoi on parle. Je te dis un truc et c'est là-dessus que je vais chuter peut-être pour te laisser si tu as quelque chose à rajouter. Quand on te dit un sage au Cameroun, si tu regardes dans les faits, tu prends la définition de sage, ce que ça réclame pour être considéré au sens philosophique de sage, oui. Tu vas remarquer que la définition de sage qui sied plus à l'attitude de ceux qu'on appelle sage au Cameroun, c'est abruti. Je te parie 800 euros, on prend l'attitude des sages qu'on a au pays, on prend la définition de sage, on prend la définition d'abruti. Je te prends les attributs, tu verras qu'on coche plus des cases dans abruti que dans sage. Ils sont pas sages. C'est des idiots qui utilisent leur âge et les croyances qu'on leur projette pour se jouer sages. Mais ils s'expriment sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Ils répondent à toutes les questions. Tu vas aller voir un sage. Pourquoi la Terre tourne au-dessus du Soleil? Il va te fabriquer une histoire à la con. Il ne va jamais te parler de gravitation. Il ne va jamais te parler de ça. Il ne te parlera pas de champ magnétique terrestre. Il ne parlera pas de moment cinétique. Il ne va jamais te parler de ça. Il n'en sait rien. La bonne réponse est je ne sais pas. Mais il ne va pas te dire je ne sais pas. C'est un sage. Il est obligé de te raconter une connerie. C'est ça mon problème, ça. C'est pour ça que je te dis que les gens qu'on appelle ça chez nous, moi j'ai les combats dans ma famille. Je vais te dire, dans ma famille,
quand tu traites quelqu'un de sage, il dit que tu l'as insulté. Tellement j'ai galvaudé cette expression-là que dans ma famille, il n'y a personne qui réclame l'expression sage. Parce que je leur ai expliqué que la sagesse, là, chez vous, c'est l'abrutissement généralisé. Ce n'est pas la sagesse au sens philosophique du terme. Voilà la définition de sage. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois, parfois, les gens viennent à moi là, ils me disent, Serge Anango, tu es intelligent, mais tu n'es pas sage. Si. Au sens de la définition, je suis sage. C'est toi qui as la mauvaise définition de la sagesse. Pour vous, la sagesse, c'est de dire, on respecte les ancêtres, on respecte les cultes du crâne, on respecte les traditions. Non, ce n'est pas ça la sagesse. Ça, c'est la définition qu'on vous a fait croire de la sagesse. Que non, un sage, c'est celui qui a beaucoup vécu. Ben non, mec. Amé, il est plus âgé que moi. Hein. Mais je pense que j'ai 20 000 fois plus de connaissances que lui. J'ai mieux compris le monde que lui. Là, c'est toi là qui provoque Mais Nyamdom, c'est mon Nyamdom. Voilà, je prends un exemple. Et d'ailleurs, Nyamdom, quand on dit souvent que les ancêtres sont des génies, je rappelle que Nyamdom, un jour, il sera ancêtre. Hein. Un jour, il sera ancêtre. Même ton ami Port de l'Ouest, que tu aimes souvent taquiner là, un jour, il sera un ancêtre. Voilà. Donc, ça veut dire que les mecs qui vivent sur Terre, ils ne sont rien, ils n'ont rien apporté. C'est des débiles profonds. Mais une fois qu'ils sont morts, tu auras leurs enfants qui vont aller sur la tombe. Tu me dis vraiment nos ancêtres. Mais mon gars, on va tous signer ancêtres. Sachez que les ancêtres que vous vénérez aujourd'hui, ben, il y avait des Nyamdom parmi, il y avait des Port de l'Ouest, il y avait des abrutis parmi. Vous êtes en train de changer vos comportements, de vous référer vos comportements à ces ignorants simplement parce qu'ils sont morts avant vous. Mais ça n'a aucun sens. Donc, moi, je ne fonctionne pas à les croyances, moi, je fonctionne à les faits pour être convaincu. Et quelqu'un comme moi, c'est facile de convaincre, il suffit de lui apporter les preuves de ce qu'on dit. Je ne suis pas de mauvaise foi. Le problème avec D'accord. vous, le problème avec Moi, vous, quand je vais me c'est pas. déconnecter là, Oui. je vais te marabouter. Demain, Mais tu viens ici. C'est bien tout. sûr, marabout de moi, je suis preneur. Je suis preneur. Appelle ton. Comment on dit en tchang chez nous, appelle ton gang à fou. Appelle ton gang à fou qui me maraboute et j'arrive demain, quoi. Voilà, je serai à Montpellier demain. Voilà. Beaucoup pour l'échange, Serge. Très Je vais bien. appeler la famille qui n'arrête pas de m'appeler là. Merci beaucoup. Bonne soirée, Serge. Bonne soirée à toi et à très bientôt. Voilà. À très bientôt. Merci. Donc, je vous souhaite une excellente soirée parce que bon, moi, c'était bien d'avoir l'échange de quelqu'un qui a été protagoniste, particulièrement impliqué dans ce sujet. Et comment dirais-je? Vous voyez que c'est vide en fait. Vous voyez que c'est la même chose, c'est exactement le cas de la plupart des humains au Cameroun. Vous les traitez à ma façon, vous voyez qu'ils vont se dégonfler tout seuls. Vous les traitez à ma façon, ils se dégonflent tout seuls. Donc vous avez un peu compris pourquoi, quand il y a, comment dire, quand il y a une rumeur au Cameroun, je me précipite jamais parce que très souvent, c'est pas parce que plein de personnes en parlent que ça a un sens. La plupart du temps, plein de personnes en parlent. Pour parler, les gens profitent pour faire l'intéressant. Les gens vont ouvrir les directs pour parler. Ils ont une fan base à entretenir, il faut leur donner à manger. Et voilà, ils vont ouvrir des lives pour en parler, voilà, bien sûr. Et c'est très facile. Vous savez que même une montre cassée indique au moins indique la bonne heure 2 fois par jour. Donc, quand vous dites une bêtise et qu'il y a 25 personnes qui disent la même bêtise, il ne faut pas venir dire que vous avez raison. Ça ne vous donne pas raison parce qu'ils n'ont pas apporté quelque chose de plus qui corrobore ce que vous avez dit. Ils ont juste dit la même chose que vous. Donc, il n'y a rien. Et très souvent, je me méfie des personnes qui disent je me trompe rarement. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un en public dire je me trompe tout le temps, en fait. Parce que si tu dis ça, personne t'écoute. Évidemment que tout le monde dit je me trompe rarement. C'est une phrase que je m'attends à ce que tout le monde le dise. Et la même chose que on ne connaît pas beaucoup de gens qui viennent sur la place publique disent je suis un gars très malhonnête, un escroc, ne me confiez pas votre argent. Ça n'existe pas, ça. Un escroc, je m'attends justement à ce qu'il me dise qu'il est un mec de confiance, que ton argent en sécurité chez lui, c'est exactement ce que j'attends d'un escroc. Vous voyez ce que je veux dire? J'attends pas d'un escroc qui me dise qu'il est un escroc. Il ne peut pas dire ça. Il n'y a personne qui suit une branche sur laquelle il est assise. Il n'y a personne qui elle est assise. Il n'y a personne qui fait ça. Donc un escroc, par définition, va te dire non, confiez-moi votre pognon, il est en sécurité chez moi. Confiez-moi votre pognon, il est en sécurité chez moi. Voilà, je saurai en faire bon usage. Je crois d'ailleurs que c'est ce que Nyamdom a dû dire aux gens. Voilà. Je vais quand même regarder quelques commentaires pour voir si je peux répondre à certains. Non, mais il y a ton Sinan Marcel qui dit que la dot n'est pas un geste d'achat. En fait, c'est la parole de quelqu'un qui croit aux traditions et qui veut défendre les traditions jusqu'au bout. Mais dans les faits, au sens strict, vous donnez de l'argent pour prendre une fille. Peu importe la définition que vous donnez. Un type qui va solliciter les services d'une prostituée peut très bien te dire non. Ce n'est pas de l'argent que j'ai donné pour avoir ces services sexuels. J'ai juste donné ça parce que j'ai vu une fille, j'ai trouvé qu'elle pouvait avoir besoin d'argent, je lui ai donné. Voilà. Dans les faits, c'est une relation tarifée, mon pote. C'est la même chose que la dot. Donc, principe d'identité. Ne cherchez pas. Quand vous commencez à bistouiller comme ça, là, tout n'a plus de sens. On peut définir tout. Le vol, bah non. C'est pas la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. C'est juste que j'ai vu quelque chose qui traînait par là. Je me suis dit que j'en avais plus besoin que l'autre, donc je m'en suis servi. Je me suis dit même que ça allait lui faire quoi. On peut tout faire avec ça. Non, la dot, dans les faits, c'est acheter une fille. À partir du moment où tu donnes de l'argent pour récupérer quelque chose, c'est un achat. Terminé. Voilà.
partir du moment où tu donnes de l'argent pour acheter quelque chose, c'est de l'achat. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai un autre commentaire. Alors, quand tu dis que dans la famille, la dot ne se fait pas, bah, très bien. Ça ne se fait pas dans ta famille, je respecte, mais n'empêche que tu ne vas pas m'expliquer que c'est pour ça que la dot n'est qu'un geste symbolique. Non, non. Exact. Tu peux venir, tu peux organiser une fête en l'honneur du fait que tu demandes une femme. Tu organises une fête, mais quand tu commences à donner de l'argent, les couvertures, les télévisions, machin, budget, bah, enfin, on n'est plus dans la dot, quoi. Il faut arrêter ça. En plus, on ne dote pas avec les porcs qu'elle appelle. En plus, on dote, oui, on dote chez les boules avec les porcs qu'elle appelle Bamse, machin. Non, non, elle n'est pas tribaliste. C'est juste que les gens, c'est juste que comme les Bamileke sont très sensibles, je vous ai dit que parfois, dire un Bamileke, c'est une insulte, quoi. Donc forcément, les gars sont sensibles. Voilà, quoi. Fraîche, franchement, les pygmées ont droit au bonheur, ouf. Y a Bellette qui dit, franchement, je ne sais pas si c'est ironique. Bon, écoute-moi, je ne sais pas. Alors, je viens d'acheter le terrain en fou. Tes oncles n'arrêtent pas de me proposer des terrains. Je suis avant le centre de Mfou. Je vous attends pour arracher mon terrain, pas le bep-bep. Voilà. Quelqu'un qui est visiblement bamiléké, qui a acheté un terrain en zone écan. Donc ça peut se faire, il n'y a pas de problème. S'il y a de l'argent d'un côté, il y a des vendeurs de l'autre côté, bah, il y a la transaction qui se fait. Hein. Souvent, ils empoisonnent et laissent entendre que ce n'est pas la voie de la sorcellerie. Même l'empoisonnement, ce n'est pas facile. Hein. Vous savez que très souvent, dans 99% des cas, ce qui est attribué à l'empoisonnement n'est pas souvent l'empoisonnement. Mais on pourra y revenir dans un autre live. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Non, quelqu'un qui dit on doit ne connaît pas le voile à moules, la seule chose qu'elle maîtrise, c'est le charme. Non, non, c'est une fille charmante, donc elle n'a pas besoin de charme. Voilà. Ça, c'est pas ça, c'est autre chose. Et puis, tu as seulement. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Bon, voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, je pense qu'on peut se dire tranquillement bonne soirée. Donc, je vous invite à partager le live, à partager cette page. Je n'ai pas eu le temps de recréer une SATV qui marche. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Je disais tantôt que si vous voulez vraiment défendre les pygmées, ils n'ont pas droit. Donc, défendez leurs droits, battez-vous qu'ils aient des droits, battez-vous qu'ils soient respectés dans votre pays, battez-vous qu'ils soient considérés comme des êtres humains à part entière. Si vous voulez vraiment défendre leurs droits, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, ce n'est pas de venir sur Internet faire de la récupération sur des faits divers malheureuses. Hein. Donc, si vous aimiez les Pygmées, ils auraient les mêmes droits que vous, ils auraient accès à l'école comme vous. Voilà, donc vous arrangerez à ce qu'il y ait des routes qui a aussi chez eux. Hein. Et non pas venir faire du spectacle lamentable sur les réseaux sociaux. Vous n'aimez pas les pygmées. Si vous les aimiez, ça se saurait. Voilà. Terminé. À très bientôt. Et ciao.